Le 10 avril 2018, le président Xi Jinping a réaffirmé la détermination de la Chine à mener jusqu'au bout la réforme et l'ouverture sur l'extérieur, lors de la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie. Deng Xiaoping 先生倡导以中共十一届三中全会为标志，中国开启了改革开放的历史的征程。40年众志成城，40年砥砺奋进，40年春风化雨。中国人民用双手书写了国家 Les événements particuliers marquent les esprits et restent dans la mémoire collective. Et l'un des événements qui restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les Chinois, c'est ce grand tournant dans l'histoire du PCC depuis la fondation de la Chine nouvelle. Le 1er janvier 1978, le quotidien du peuple publie un éditorial pour le nouvel an. Une Chine brillante. 1976年，世界上各种各样的人，包括我们的一些朋友和同事，也包括我们的敌人，都在密切注视着中国。 La Chine de l'époque se trouve à la croisée des chemins. Pour suivre l'ancien chemin ou s'engager sur une nouvelle voie de construction du socialisme adapté aux conditions chinoises, le PCC doit faire un choix. Mais vers où se dirige la Chine ? Le peuple est impatient de le découvrir. Et le retour de Deng Xiaoping sur la scène politique leur apporte de l'espoir. Le 17 juillet 1977, après un parcours marqué par des ascensions et des déchéances, Deng Xiaoping regagne le pouvoir à 73 ans. Deng Xiaoping, de retour au pouvoir, demande de s'occuper du développement de la science et de l'éducation. Il se soucie énormément de la qualité de l'éducation en Chine. Selon lui, la Chine a pris 20 ans de retard dans les domaines technologiques, scientifiques et de l'éducation. En août 1977, Deng Xiaoping invite 33 experts, professeurs et professionnels de l'éducation à une réunion sur le travail pour la science et l'éducation au Grand Palais du Peuple.所以来以后呢，想问问小文同学，我想问一下，我看看在座的比我年龄大的有几位啊？举手，一举手大概有两三位。我看有希望，比我大的只有两三位。那么咱们这个会呢，就从这儿入手。我们这次座谈会的主要内容就是怎么把科学技术教育搞上去。 Lors de cette réunion, le professeur agrégé à la faculté de chimie de l'université de Wuhan, Jia Chuanxing, propose le rétablissement du concours national pour l'entrée à l'université. Sa proposition trouve écho parmi les participants. Donc,
Alors, Deng Xiaoping prend immédiatement la décision de rétablir le système de concours national pour l'entrée à l'université qui avait été interrompu pendant 11 ans. Les scientifiques et professionnels de l'éducation sont ravis de l'apprendre. Cette nouvelle est pour les jeunes, surtout ceux qui touchent leur trentaine, une aubaine extraordinaire. Cette année-là, le concours national d'entrée à l'université marque la vie de 5,7 millions de jeunes chinois. Au printemps 1978, 273 000 personnes entrent à l'université. Nombreux d'entre eux deviendront ensuite pionniers dans les secteurs de leurs spécialités respectives, dans la Chine de la réforme et de l'ouverture. Le printemps 1978 apportait passion, espoir, bonheur et joie. 60% des travailleurs dans l'ensemble du pays ont vu leur salaire augmenter. De nouveaux changements se faisaient dans la vie du peuple. Des films jadis interdits au public réapparaissaient dans les cinémas. Et des pratiques folkloriques bannies pendant des années revenaient dans la vie des gens. Le savoir et les intellectuels étaient de nouveau respectés par le parti et l'État. Début 1978, le Congrès national de la science et la Conférence nationale de l'éducation sont organisés. La Chine accueille le printemps de la science et de l'éducation. Après le Congrès national de la science, le physicien nucléaire Chen Jiaer est retourné à son poste. En quelques années, il y a développé avec son équipe le premier accélérateur électrostatique chinois de 4,5 mégavolts. Ils ont ensuite accompli plusieurs réalisations qui ont attiré l'attention du monde. Au printemps 1978, le président de l'Académie des sciences de Chine, Guo Mojou, a décrit avec passion l'émotion de tous les scientifiques chinois. «
这是人民的春天，这是科学的春天。让我们张开双臂，热烈地拥抱这个春天吧。En 1978, les échanges de la Chine avec l'extérieur se multiplient également. En mai, le vice-premier ministre Gu Mu se rend en Europe à la tête d'une délégation économique chinoise. C'est la première délégation économique de haut rang que la Chine envoie en Occident depuis son ouverture sur l'extérieur. Durant cette période, Deng Xiaoping effectue aussi plusieurs visites à l'étranger. Au Japon, il constate la longueur d'avance qu'a prise ce pays sur la Chine dans les domaines économiques, technologiques, scientifiques et de gestion, ce qui suscite en lui un sentiment d'urgence. La vie des gens est en train de changer, tout comme leur mentalité et leur façon de penser. Un article publié durant cette période de changement suscite de vives réactions. Le 10 mai 1978, la revue interne de l'école du parti du comité central du PCC, Progrès théorique, publie l'article intitulé « Le critère de la vérité ne peut être que la pratique ». Le lendemain, le quotidien Guangming le publie également. Le même jour, l'agence Xinhua le diffuse dans l'ensemble du pays. Le 12 mai, le quotidien du peuple, le journal de l'APL et 7 journaux locaux de premier rang publient l'article. Ils sont suivis par une vingtaine d'autres journaux locaux. L'article exprime un point de vue simple et profond. Il n'y a qu'un seul critère pour la vérité. C'est la pratique sociale des millions et des millions de Chinois. Se reposer sur les formules toutes faites du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao Zedong pour encadrer les pratiques révolutionnaires en évolution rapide est une erreur. Les discussions sur le critère de la vérité sont soutenues par Deng Xiaoping et de nombreux vétérans révolutionnaires. Le 2 juin 1978, Deng Xiaoping prononce un discours important lors de la conférence sur le travail politique de l'APL, appelant à rectifier les torts, briser le carcan spirituel et libérer la pensée de tous. Avec le soutien de Deng Xiaoping et de nombreux vétérans révolutionnaires, un grand débat sur le critère de la vérité est lancé dans toute la société chinoise. Plus de 650 articles sont publiés dans les journaux et revues nationaux, régionaux, formant un courant historique d'émancipation de la pensée auquel tout le parti et toute la société participent. En septembre 1978,
Deng Xiaoping effectue des visites dans les trois provinces du nord-est du pays et dans la ville de Tianjin. Ce voyage vise à sensibiliser, à libérer la pensée, rechercher la vérité dans les faits, aiguiser les esprits et en finir avec l'immobilisme. À cette occasion, il avance l'idée de faire de la modernisation du pays la priorité du travail du PCC et de l'État chinois, posant la base idéologique de la conférence du travail, puis du 3e plénum du 11e comité central du PCC. Voici l'hôtel Jingxi, construit en 1959. Depuis plus de 60 ans, il est témoin des moments importants de l'histoire du PCC. Le 10 novembre 1978, la conférence du travail du comité central du PCC, réunissant plus de 200 cadres supérieurs, s'est tenue ici. Les travaux portaient en premier lieu sur le changement de la priorité du travail du PCC. L'idée de changer la priorité du travail du PCC étant approuvée à l'unanimité, Chen Yun propose donc, lors des discussions au sein du groupe du Nord-Est, de régler de manière systématique les questions léguées par l'histoire, notamment par la révolution culturelle, avant de déplacer la priorité du travail. Ce qu'a dit Chen Yun suscite de vives réactions. Tous les groupes y répondissent favorablement en demandant de rétablir la ligne idéologique du PCC, préconisant de rechercher la vérité dans les faits. Dans ce contexte, Deng Xiaoping fait le discours intitulé « Libérer les esprits, rechercher la vérité dans les faits et s'unir en regardant vers l'avenir » lors de la clôture de la conférence. 一个大，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信深信，那它就不能前进，它的生机就停滞了，就要亡党亡国。如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。 Ce discours, à l'origine du mouvement de libération des esprits, a contribué à sortir les Chinois de la confusion et de la perplexité de l'époque et a donné le cap du développement de la Chine. Il est devenu le rapport thématique du 3e plénum du 11e comité central du PCC qui s'est tenu ensuite. Du 18 au 22 décembre 1978, le 3e plénum du 11e comité central du PCC est convoqué. Il rétablit la ligne idéologique de recherche de la vérité dans les faits, met fin à l'idée erronée de prendre comme axe la lutte des classes, détermine comme priorité du travail du PCC la modernisation socialiste et décide de lancer la politique de réforme et d'ouverture sur l'extérieur, marquant ainsi un tournant dans l'histoire du PCC. Après cette réunion, la campagne de réhabilitation des personnes condamnées à tort est lancée. Une trentaine de cas de condamnation injustifiées de cadres supérieurs du parti, de l'État et de l'APL sont traités sur l'approbation du comité central du PCC.
De 1978 à 1982, plus de 3 millions de cadres sont réhabilités et plus de 470 000 membres du PCC réintégrés. Des dizaines de millions d'individus innocents reprennent leur vie normale. Néanmoins, des problèmes dont il fallait se méfier apparaissent dans la campagne de réhabilitation. Lors d'une réunion sur le travail théorique du PCC, tenue en mars 1979, Deng Xiaoping fait une intervention intitulée « Persévérer dans les quatre principes fondamentaux ». La campagne de réhabilitation se poursuit avec la publication des documents intitulés Les principes directeurs régissant la vie politique au sein du parti et la réforme des systèmes de direction au sein du parti et de l'État. Sous l'égide de Deng Xiaoping, le groupe d'élaboration de la résolution sur certaines questions dans l'histoire du parti depuis la fondation de la République populaire de Chine est créé en novembre 1979. Ce document conclurait les grandes questions de l'histoire du PCC depuis 1949 et unifierait la pensée au sein du parti et du peuple. Dans l'élaboration et la révision de la résolution, Deng Xiaoping souligne l'importance d'apprécier à leur juste valeur les positions historiques de Mao Zedong et de sa pensée. Dans le 80年的3月, Au cours de la rédaction du texte de la résolution en août 1980, Deng Xiaoping accorde deux interviews à la journaliste italienne Oriana Fallaci. Il souhaite transmettre au monde extérieur un message important. Le PCC ne niera jamais le rôle de Mao Zedong. En juin 1981, le 6e plénum du 11e comité central du PCC examine et adopte la résolution sur certaines questions dans l'histoire du parti depuis la fondation de la République populaire de Chine. Ce document condamne les erreurs de la révolution culturelle et des mouvements gauchistes la précédant, appréciant le rôle historique de Mao Zedong et de sa pensée. Il jouera un rôle dans l'unification de la pensée au sein du PCC et la mobilisation de tous les Chinois pour l'avenir et le socialisme, et marquera le succès du travail du PCC à dissiper la confusion concernant les idées directrices.
Les communistes chinois, avec à leur tête le camarade Deng Xiaoping, ont guidé le peuple chinois dans la réalisation d'un grand tournant historique. C'était une époque de changement, de nouvelles idées, de passions entrepreneuriales, où la Chine poursuivait sa marche héroïque vers un avenir prospère et puissant.从贫弱到富强，走出复兴伟业征途。